Eh bien, salut tout le monde, c'est Max769. Aujourd'hui, on se retrouve pour épisode 4, je crois, j'ai pas vérifié, de One Piece Pirate War 3. Donc, on est enfin sur la suite, les gars. Parce que je me suis dit, tiens, faut que je me bouge un peu. On a fini tous les Little Toads qu'on avait commencé. Et donc, deux qui sont bientôt finis, enfin, les deux que je suis en train de faire. Juste pour les Little Toads. Bah Minecraft on a toujours pas de date parce que souvent c'est annoncé genre 3-4 jours avant que le jeu sorte, enfin que l'épisode sorte. Et le Borderlands bah, c'est toujours en traduction, c'est toujours à 42%, ils ont pas encore mis à jour ou ils ont peut-être pas avancé, j'en sais rien. Enfin bref, on n'est plus sur des jeux de Telltale, on est sur One Piece les gars. Je me suis dit faut que je me bouge le cul, déjà parce qu'il y a tout son spoil pour ceux qui regardent pas l'anime en japonais, bah quittez la vidéo tout de suite si vous voulez pas vous faire spoil. Mais il y a le Gear 4 les gars. Oh, j'ai bandé quand j'ai vu ça. Franchement, il est trop stylé. Bon, les dessins, je les trouve, enfin les dessins dans l'animé, je les trouve bizarre en fait par rapport au manga papier. Mais enfin, ça passait quand même. Et c'est marrant, genre il saute et tout. Enfin, genre il est tout le temps obligé de sauter, avec les bruits, genre il. Enfin bref. Et en plus du Gear 4 qui m'a donné envie de rejouer à One Piece. C'est One Piece Burning Blood, ça va être un jeu de combat genre un peu la style Naruto, sauf qu'on aura 3 combattants, enfin ça sera du 1 contre 1, mais ça, genre on pourra changer de combattant, un peu comme le système de, je crois que c'était Street Fighter X Tekken, genre on pouvait jouer, et genre, enfin jouer le personnage de base, et ensuite avoir, genre changer d'un coup de personnage pour en avoir un autre. Et dedans, en fait dans One Piece Burning Blood, je sais pas si j'ai dit bien juste avant, vous avez genre les effets de Haki, de Logia, des pouvoirs quoi. Donc en gros par exemple le Logia, s'il a sa compétence ou un truc dans le genre, j'ai pas trop compris parce que j'ai vu que des vidéos en anglais. Si Logia il a sa compétence ou quoi, bah genre Crocodile, bah genre vous allez taper, genre ça va être du sable en fait, donc vous allez pas lui faire de dégâts. Il faudrait dire un mec qui utilise le Haki ou d'autres pouvoirs, je sais pas quel d'autres pouvoirs. Qui pourront le toucher en fait. Donc c'est plutôt pas mal et ça sort en juin chez nous et il sort en avril au Japon. Donc c'est bien, c'est plutôt rapproché d'habitude. C'est un an, on a attendu, enfin je crois qu'il est sorti janvier-février, One Piece Pirate War 3 est sorti au mois d'août, au mois de septembre, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti le jeu chez nous. Je crois qu'il est sorti 6 mois après, ouais je crois que c'était février qu'il est sorti. Enfin bref, on va continuer le mode légende du coup. Je m'en souviens, j'avais joué un peu en mode rêve. Avec Zoro. Donc j'ai un. Il y a la connexion qui dure 2 heures. Pourquoi je sais que j'avais eu des packs de DLC. Ok. J'ai eu des packs de DLC. Genre j'ai plein de niveaux. Enfin de niveaux. De personnages. Bon là, il y a du coup, comme je suis en mode. Pourquoi j'ai pas Zoro? Bizarre. J'ai pas Zoro. Ok, donc bah du coup on va prendre Luffy, on garde Luffy. Regardez. Ah, d'accord, c'est parce que j'ai pas terminé le costume. J'ai pas utilisé le. Bon, ça a l'air d'être bon. Désolé, j'ai dû faire un petit. J'ai dû cutter la vidéo, désolé. J'ai un petit problème. Donc on était dans la section des pièces, donc vous pouvez voir tout de suite que Zoro, il est plutôt bien amélioré par rapport à Luffy. Mais vous pouvez voir que Luffy, mon ami n'avait pas du tout amélioré. Ça je m'en souviens. On va améliorer Luffy quand même, histoire qu'on galère pas trop. J'ai 7 pièces de ça, hop. Voilà, on va augmenter la vie. Bon, j'ai 3 pièces, on va les garder. Ah, j'ai 10 pièces, voilà, on va augmenter l'attaque, ça va augmenter le niveau. Vas-y, si je veux, je peux encore augmenter l'attaque. 8 pièces. Non, on va les garder. Non, 5 pièces pour Usopp. Ouais, comme ça, je débloque une jauge d'attaque. Kodai, j'ai pas assez. Et Sanji, j'ai assez. Hop, on va prendre un emplacement de technique. Hop. Bon, on va s'arrêter là. Même si je peux encore améliorer, on va quand même s'arrêter là. Sinon, on va être un peu cheaté. Vous voyez, croissance berry, j'étais monté niveau 25 quand même avec Zoro. Plutôt pas mal, j'ai masse de berry comme vous pouvez le voir en bas. Je peux pas changer de costume, c'est vrai. Prendre le large. Je peux pas mettre des emplacements de technique. Je sais plus.
cinématique. ルフィたちは海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体は、 かつて国庫にして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフのもとで副料理長を務めるサンジもまた、ゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは、雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、 サンジは頑なに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。 ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ、この船は俺たちのレストランだ。 C'est dommage que ça s'est pas passé après. Genre qu'on ait pas commencé à combattre et tout. Ah, on va devoir se battre aussi contre Mihawk. Non, ah non, ouais, si, c'est ça. Ok, pas l'équipage de Don Krieg, les filles, ça me suit. Hein. Le groupe équipage de Don Krieg qui protège le Baratier. Ok. Préparation de la bataille. Choisir la technique. Du coup, on a chopé une nouvelle technique. Ah, j'ai un truc de niveau 3. Bon, on va prendre ça. Attendant, on n'a pas des trucs de ouf. Non. Démarre la bataille, go! Allez, c'est parti! Comment on met le chapeau déjà? Ah, comme ça. Oh, on se souvient plus du tout des combos. Okay, comment on fait déjà la rafale? Comme ça. Ah là, oui, c'est carré tout le temps. Ok, il y a un mec à battre ici. Ça change de Zoro. Quand j'ai les Zoro, j'avais l'impression de les tuer plus vite. Petits idiots. Il y a pas mal de monde là. Zoro. Oh merde, j'ai utilisé ma technique, je voulais utiliser ma... Oh bah du coup, tant pis. Ouais, des points d'exclamation. Ah, il est là. Ah. Après. Ah.
Faut que je reprenne. Enfin, faut que je reprenne l'habitude de. D'esquiver et tout. Faut que j'aille tout en bas. Comment vous avez déjà? Ah, d'accord. ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て。海賊王になるのはこの俺だ。何か言ったか小僧。遊びじゃねえんだぞ。 On libère là-bas vite fait. Hey, le commandant! Après, j'ai pas beaucoup de combos avec Luffy. Par rapport à Zoro, j'avais masse de combos du coup. J'avais atteint un peu la moitié du niveau, enfin la limite de niveau, mais. Ah! Un chef qui rentre dans ma base. Je crois que j'ai pas encore les deux attaques. Oh là, il a bougé! Ok. Normal. Ah, il y a son petit gars avec lui. Pourquoi il y a des points d'interrogation sur. Ah, je me souviens plus comment je faisais pour les battre facilement. Ils sont là. Il n'y a personne ici. Enfin, il n'y en a pas grand monde. Hop. Oh, mais je l'ai même pas tué. La zone a vite fait. Ah. Il s'enfuit. Allez là. Boss lui. Ah. Dans le Krieg. Elles sont bizarres les textures de ses cheveux. Ah,
Où est le sang? ドロノア、我がなジュラキュール未報句。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ドロノア。俺は先、幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が侵略させて、この剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ、ドロノア。 J'en pleure. Ah! Vas-y, on s'en fout d'eux! Ah, ouais, du coup, j'ai plus d'euros dans ma team. Oh! Oh, Fusen. Trop de monde. Oh, je les ai défoncés. Niveau plus. Allez, de l'argent, de l'oseille. Mais, attends. Allez, je les ai défoncés. Oh, je suis même de temps au fond. Quoi? Ah, chasse au trésor. ためだけに、でけえ代償を払ったクソ野郎だ。俺だって死ぬくれえのことしねえと、クソじじいに恩返しできねえんだよ。死ぬことは恩返しじゃねえぞ。そんなつもりで助けてくれたんじゃねえ。生かしてもらって死ぬなんて、弱えやつのやることだ。
Je vais rapidement Dunkrieg pour arrêter le bombardement. Oh merde! J'ai mis du mauvais côté. Oh! Mais arrêtez! Mais non! Mais pourquoi ça met du mauvais côté? D'accord, mais je fais piéger en fait. Bang! Ok, je vais aussi prendre le territoire avec ça. Et vite! Don't Krieg! Ah, mais il s'est encore barré! Ah mais je voulais garder mon pouvoir pour après. Hein. Ah mais pourtant j'ai esquivé bien et tout. Voilà, là je l'ai. Bang. Allez. Allez, deux. Ah. Ah. Tu chantes son truc là. Avec ça. Même pas? Oh, il a la... parce qu'il a activé son truc. Hein. Même pas. Hop là.
あいつらは帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺はいかねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか。いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話だ。その海にはよ、 おい、なんだ、このヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソじじい。てめえの作ったスープとこれがどう違ってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早えぞ、チビナス。クソ。 このスープめちゃくちゃうめえのに。 こうでもしねえと、あのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドライフはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。 俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。オーナーズ、 長い間、クソお世話になりました。この業は一生忘れません。クソったるが、寂しいぞ。クソ、バカ野郎どもが。男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜ、 To be continue. Ah, nombre de tués, j'ai A. Merde. Pas de S encore. Je crois que j'ai jamais eu de S en fait. Le plus S. Ah oui. Oh, Mihawk. Après ça faut que je le fasse en plus, enfin genre faut recommencer. Façon de la légende. Ouais. Oh, plus 4 pièces pour Usopp. Avis technique de Sanji Aki. Oh, plein de pièces. Des pièces reçues dans cette fois dans Luffy. Non, je vais le faire moi-même. Voilà, encore plein de berries. Je vais avoir les 1... Non, j'allais dire les 1 milliard, mais non, pas du tout. Si j'ai 9 millions. Non, il y aura 10 millions plutôt. Nouvelle membre boutique Berry. De toute façon, maintenant je peux tout acheter. Alors, vu tous les Berry que j'ai. Donc, bah voilà, c'était, c'est la fin de cet épisode fort émouvant. Et le prochain épisode, ça se passera à Arlong Park. Et on dirait, enfin, je sais pas, on dirait que le prochain, ça sera le dernier chapitre. Genre, je sais pas si on, avant on voyait les cases. Enfin, non, on a Arlong Park, ouais, je pense qu'on a Arlong Park. Et après, on a le... Après, ça sera le dernier. On a Arlong Park, et après, le prochain, je sais même plus c'est quoi comme ça. Peut-être Chopper. Ouais, ça, je crois que c'est Chopper après. Et, donc, bah voilà. Arlong Park, ça va être pas mal. Entre Arlong...
Donc bah voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Laissez un j'aime en commentaire si vous êtes content que cette série se Let's Play reprenne. En tout cas, je suis plutôt content là. Je pense que je vais buter. Je vais enregistrer plein d'épisodes d'un coup, comme ça je pourrais tout vous mettre en programme et tout. Et voilà. Je vais quand même essayer de faire un autre Let's Play en plus. Mais je sais plus, j'ai quoi. Je crois que j'ai God of War à continuer. Je vais peut-être continuer God of War en même temps. Je verrai en tout cas. En tout cas, pour le moment, ça va être du One Piece parce que j'ai envie de le finir vite. Avant le mois de juin, parce que là, il va y avoir vraiment pas mal de jeux. Là, le prochain jeu que m'achète, c'est Naruto. Il y a Naruto, il y a Far Cry. Je sais même plus à quoi d'autre. Il y a The Division au mois de mars. Au mois d'avril, il y a Uncharted, il y a Ratchet & Clank. Les gars, Ratchet & Clank aussi, j'ai même pas pu avoir l'occasion de vous en parler. C'est sûr, en Let's Play, voilà, en avril, Ratchet & Clank. J'irai voir le film. Comme ça, je vais pas vous spoiler le film quand je l'aurai vu, mais je pourrais vous dire, ah, tiens, ça, il n'y a pas dans le film. Je pense qu'il doit quand même y avoir quelques similitudes. Enfin bref, on verra ça au mois d'avril quand le jeu sortira. Donc en tout cas, laissez un j'aime en commentaire, comme je vous l'ai dit, si vous êtes content que cette série reprenne, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez détesté mon gameplay. Moi, je vous dis à la prochaine, on se retrouve plus tard pour l'épisode 5. Salut tout le monde.